Là, je pense que nous pouvons commencer. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à cet atelier organisé dans le cadre de FILEX 2020 et pour lequel CCI France International est partenaire depuis 2019. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui a pour ambition et pour objectif de vous présenter différentes façons d'utiliser les réseaux d'affaires, notamment à l'international. Vous êtes pour une grande partie de l'auditoire, des pôles de compétitivité ou des clusters ou des membres d'une fédération. Et votre rôle est multiple. Il consiste à coordonner des actions, mettre en relation différents opérateurs, agir pour l'intérêt de vos membres et de vos clients. Vous êtes pour la plupart basé en France et vous maîtrisez parfaitement votre environnement. À partir du moment où vous souhaitez développer ou aider au développement vos entreprises vers des marchés extérieurs, il devient nécessaire pour réussir votre action de vous appuyer sur des réseaux de confiance émanant du même écosystème que le vôtre ou ayant une ADN commune, à savoir valoriser ou promouvoir le savoir-faire français. Donc nous allons tâcher dans cette conférence de vous montrer l'importance des réseaux et leur utilité à travers plusieurs exemples. Le premier est suisse, le second est marocain. En Suisse, nous verrons une chambre ayant accompagné une fédération professionnelle, celle de l'ameublement, qui elle-même a pris dans son sillon des entreprises françaises dont l'une témoignera. Comment cette association de réseau s'est-elle organisée pour permettre à une PME de réussir son développement export? C'est l'une des questions à laquelle nous essaierons de répondre. Au Maroc, nous verrons l'une des plus grandes chambres françaises de notre réseau qui, à la suite d'un colloque, a créé un club qui est aujourd'hui dans un secteur stratégique qui est celui de la santé et qui œuvre justement pour le bien fondé des entreprises françaises. Mais avant de rentrer dans les détails et de les écouter nous parler de leurs actions, de leur mission, mais également de leur réussite, j'aimerais en quelques mots vous présenter notre réseau, celui de CCI France International. Donc, CCI France International est un réseau qui regroupe 126 chambres dans 95 pays. Nous sommes le premier réseau d'affaires français privé dans le monde, avec 38 500 entreprises membres. Alors, ce chiffre peut paraître imposant et important, mais nos chambres restent des établissements, pour la plupart des associations à taille humaine. Notre ancrage local, notre biculturalisme, nos années d'expérience, notre adaptabilité nous caractérisent, c'est une évidence, mais l'importance d'un réseau est qu'il soit parfaitement intégré à son écosystème. Donc, le nôtre, celui de CCI France International, est en accord avec les principaux partenaires du commerce extérieur de la France, avec qui nous évoluons, nous échangeons, nous travaillons quasiment quotidiennement. Il s'agit de Business France, des CCI de France, de BPI France, des différents ministères, celui des Affaires étrangères, du commerce extérieur ou de la DG Trésor, des OSCI qui sont l'organisme des consultants privés qui accompagnent les entreprises à l'international ou encore des conseillers du commerce extérieur de la France. Mais à l'étranger, et c'est là où mon propos se précise, nos chambres ont organisé leurs actions autour de leurs membres afin de répondre de façon la plus pragmatique possible à leurs attentes. Et l'une des actions qui est menée, c'est celle de l'animation de nos comités sectoriels. Dans le monde, nous comptons 500 comités sectoriels dans les nouvelles technologies, dans l'innovation, l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé, l'environnement, l'aéronautique. Ces clubs d'entreprise ou ces comités sectoriels constituent clairement des réceptacles d'informations indispensables aux entreprises ou aux groupements d'entreprises qui souhaitent comprendre un marché et pénétrer durablement le marché qui est ciblé. Donc, ce sont de véritables outils de veille, de réflexion et de connexion qui permettent d'identifier des clients, des donneurs d'ordre, des besoins spécifiques d'un marché que vous ciblez. Mais pas seulement, parce que ces comités sont aussi un instrument qui permettent de faire valoir et promouvoir le savoir-faire français. Donc, une fois que ces clubs sont créés, qu'ils réalisent une action, ils font remonter une information assez précieuse, voire même très précieuse, qui permet à nos équipes de vous aider ou d'aider les entreprises qu'elles accompagnent de façon la plus pragmatique possible et la plus efficace possible, souvent
avec des taux de réussite relativement élevés. Donc, autour de ces comités, nous avons développé tout un dispositif d'aide et de soutien qui permettent aux entreprises ou aux opérateurs français qui le souhaitent de se développer à l'international. Donc, on a développé des expertises dans des métiers bien précis, notamment pour vous aider à vous informer, donc aider les entreprises à mieux cibler, mieux évaluer, mieux étudier leur futur marché, mais également à prospecter leur futur marché, notamment explorer, découvrir, rencontrer des clients et des partenaires. Nous avons aussi développé une expertise dans l'implantation. Nous aidons les pôles de compétitivité, les clusters, les entreprises à s'implanter dans les marchés qu'elles ciblent, mais évidemment à se développer sur ces marchés. Donc, sans plus tarder, après cette brève introduction de la façon la plus précise d'utiliser des réseaux d'affaires à l'étranger, je vais laisser la parole à nos intervenants que je remercie d'avoir pris de leur temps pour nous présenter leurs actions. Nos intervenants sont les deux chambres, la CCI France Suisse, qui est représentée aujourd'hui par Claire Louis, qui est directrice commerciale au sein de CCI France International, et Faïza Achkar, qui est responsable France de la Chambre française de commerce et l'industrie du Maroc et pilote de la TFE. Nous avons donc des intervenants extérieurs, notamment Emmanuel Dumas. Vous êtes, Madame Dumas, chargée de mission commerciale Europe pour la Fédération de l'ameublement. Et Caroline Saunier, vous êtes directrice commerciale entreprise, pour l'entreprise pardon, Syria, et vous nous présenterez votre retour d'expérience suite à une mission co-organisée par la Fédération de l'ameublement et par la CCI France-Suisse. Un autre témoignage, et pas des moindres, celui de Pierre Benham. Pierre Benham, vous êtes directeur général de Pierre Fabre Maroc et vous êtes président du Club Santé Maroc. Et vous allez nous présenter les actions que vous menez au sein de la Chambre française de commerce sur ce secteur de la santé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez la possibilité de nous poser vos questions sur le chat questions-réponses. N'hésitez pas à nous faire part de vos propos, de vos interrogations. Ce webinaire est enregistré, donc il sera largement diffusé si vous avez besoin du replay. Et un sondage sera envoyé pour comprendre et connaître vos besoins en matière de développement international. Donc, je laisse la parole à Claire Louis, qui va nous présenter l'une des chambres les plus dynamiques de notre réseau, celui de la CCI France-Suisse. Merci beaucoup, chère Afa, pour cette introduction. Je suis ravie aujourd'hui de participer, même à distance, puisqu'il y a encore un an, on était en présentiel sur ce bel événement. C'est très important, hein, pour nous de porter la parole des marchés à l'international, et puis aujourd'hui de vous expliquer un petit peu plus quelle est notre mission. Donc, une présentation à trois voix, avec effectivement l'intervention d'Emmanuel Dumas de l'ameublement français et de Madame Caroline Saunier de l'entreprise Syria pour illustrer la dynamique du partenariat que nous avons mis en place avec donc une fédération, celle de l'ameublement français. Alors, pour revenir à qui nous sommes, effectivement, donc nous appartenons au réseau des CCI internationales. On est la plus ancienne chambre de commerce à l'international, puisque nous avons fêté nos 126 ans cette année, ce qui nous confère une très bonne lisibilité sur le marché suisse. Notre spécificité, c'est d'être implantée dans trois villes de Suisse, à Genève, à Zurich et à Bâle, puisque le marché suisse est un marché avec des spécificités culturelles très fortes, notamment entre la partie francophone et la partie alémanique, d'où l'importance d'être bien représentée sur l'ensemble de ces zones. Et nous sommes effectivement donc un réseau d'affaires franco-suisse composé de plus de 750 entreprises qui sont à la fois des implantations françaises en Suisse, des entreprises suisses qui ont des intérêts commerciaux avec la France et aussi des entreprises en France. Et nous avons au total, nous générons un peu plus de 4 000 contacts d'affaires par an. Rappeler peut-être notre statut aussi, puisque ça c'est important de savoir que nous sommes un opérateur privé, une association de droit local d'utilité publique, de droit suisse,
totalement autofinancée hein, par nos services et par l'adhésion de nos membres. Et puis, notre grande force, c'est d'avoir une représentativité au niveau de notre conseil d'administration, de l'excellence des grands décideurs des entreprises franco-suisses. Alors, nos missions essentielles, c'est de fédérer et d'animer une communauté d'affaires au travers d'une cinquantaine d'événements que nous organisons tous les ans, de représenter de manière institutionnelle nos membres et d'être un véritable accélérateur entre les entreprises françaises et les entreprises suisses, notamment dans le cadre de solutions d'ancrage. Je veux bien la slide suivante. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez effectivement apparaître l'ensemble du pôle de service. Donc nous, notre volonté, c'est véritablement d'accompagner avec succès les entreprises qui ont des projets d'implantation, de développement commercial en Suisse, et de créer cette passerelle entre ces deux marchés. On sait que le marché suisse est un marché qui reste fermé, très protecteur, et donc du fait de cette expérience terrain que nous avons et des relations privilégiées que nous menons avec de nombreuses entreprises, nous offrons la possibilité de mettre en relation, de connecter les entreprises françaises avec les entreprises suisses, d'autant que la Suisse se présente comme un marché naturel pour les entreprises françaises. La slide suivante. Merci. Donc, en ce qui concerne notre offre d'appui aux entreprises et ce dont on va parler véritablement aujourd'hui, c'est toute la partie des opérations collectives et sectorielles, puisque c'est bien l'enjeu. Vous-même, vous êtes effectivement clusters et donc représentants d'un secteur d'activité. Et c'est vrai que nous menons environ 6 opérations collectives annuelles, sectorielles. Nous intervenons dans des domaines très, très varié, très diversifié. Ça va de l'hospitalier à l'industrie du futur, à l'hôtellerie de luxe, en passant par la mobilité, le ferroviaire. On essaye effectivement de détecter des secteurs d'activité dont la Suisse est porteuse en termes de projets, notamment sur tout ce qui est innovation. La Suisse est très bien positionnée, hein, et donc de mettre en lumière ces projets-là et de les faire partager aux entreprises françaises afin de nouer de premières relations d'affaires. Alors, on accompagne aussi des missions plus individuelles comme la croissance externe, la franchise ou le e-commerce, mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de se focaliser notamment sur ces sujets-là. Alors, en termes justement, slide suivante s'il te plaît, des opérations, c'est vrai qu'on est extrêmement bien positionné sur deux secteurs d'activité qu'on travaille depuis de nombreuses années, où la Suisse est extrêmement attractive et bien positionnée. Il s'agit notamment de l'hôtellerie de luxe, ce qui a vu effectivement naître les premières relations avec l'ameublement français. Et puis une dernière opération que nous avons menée sur le mobilier et l'équipement urbain. Alors effectivement, comme le disait cher Rafa, lorsque nous on construit une opération sectorielle, il est essentiel pour nous de nous rapprocher des acteurs, des opérateurs qui disposent d'une véritable expertise de leur secteur d'activité. Dans un premier lieu, c'est nécessaire pour nous, pour nous approprier le secteur, parce que nous restons des généralistes, hein, et donc effectivement, il est nécessaire pour nous de parfaire notre connaissance du secteur, de comprendre le fonctionnement, les bonnes pratiques, quelles sont les tendances, quels sont les enjeux, quels sont les acteurs. Donc on opère une phase préparatoire où on va sourcer les clusters, les pôles de compétitivité qui sont donc spécialistes de la branche d'activité que nous allons traiter dans le cadre de cette opération-là, et qui vont aussi nous aider à identifier les besoins et les attentes des entreprises françaises que potentiellement nous cherchons à recruter dans le cadre de ces opérations-là,
pour avoir le meilleur sourcing, la qualification, la meilleure qualification possible, et puis pour mesurer aussi quelles sont les opportunités que peuvent présenter ce marché suisse à l'égard des entreprises françaises. Donc ça, c'est hyper important pour nous, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a aussi une grosse marge d'amélioration en termes de reconnaissance, d'être connu et reconnu par vous, les acteurs de ce marché-là. Je pense qu'on ne connaît pas nécessairement les actions des chambres de commerce à l'international. Donc, on a un travail d'évangélisation à faire qui est important, d'où cette prise de parole aujourd'hui et cette tribune pour justement faire valoir un petit peu nos actions et les partenariats aussi, puisqu'il s'agit là bien évidemment de créer des synergies communes dans le but d'accompagner les entreprises françaises qui souhaitent s'internationaliser sur les marchés locaux. Deuxième aspect aussi qui est central dans notre démarche de rapprochement d'acteurs spécialisés. On a besoin, je le dis de manière tout à fait transparente, de promouvoir nos opérations auprès des entreprises françaises et d'avoir la meilleure visibilité de notre événement. C'est vrai qu'on a besoin de se rapprocher de ces acteurs-là qui sont des accélérateurs pour nous, puisque la population cible est déjà extrêmement, extrêmement qualifiée, et donc de détecter des leads sur nos opérations afin de recruter et mobiliser un maximum d'entreprises françaises de la branche. Donc ça, Alors c'est là, je me permets de couper pour que ce soit très clair. L'idée, c'est que vous identifiez les besoins des opérateurs avec lesquels vous échangez et vous faites remonter ces besoins aux opérateurs français et les clusters pôles de compétitivité peuvent être un bon relais pour distiller cette information. Oui, absolument, vraiment de relayer l'opération, les bénéfices aussi de l'opération. Là, on va le voir tout de suite avec l'intervention d'Emmanuel puis de Caroline, avoir un vrai retour d'expérience justement sur ce partenariat un petit peu tripartite qui permet effectivement de promouvoir notre opération auprès d'entreprises qui finalement au départ n'ont pas nécessairement connaissance de ces opportunités d'affaires sur les marchés internationaux et qui grâce au relais de leur cluster, de leur pôle de compétitivité, de leur fédération vont pouvoir effectivement connaître, avoir écho de cette opération. Donc, nous, l'objectif, bien évidemment, c'est de mettre en place des relations naturellement qualitatives. Ça, c'est très important. C'est véritablement un partenariat qui s'inscrit dans la durée, main dans la main. L'idée, c'est d'avoir une relation win-win, de faire effectivement d'une participation à nos opérations un succès en termes de contact, de relations d'affaires qui peuvent aussi déboucher naturellement sur des contrats, sur des commandes à l'issue de ces opérations. Donc, on mesure aussi de manière assez concrète les retours sur investissement qui sont réalisés dans le cadre de ces opérations et d'avoir effectivement un taux de satisfaction qui soit le plus optimal possible, hein. C'est véritablement l'idée sur des formats. Voilà, pour dire deux mots peut-être sur les formats qui proposent à la fois des cycles de conférences, de témoignages, de panorama sectoriel, et aussi un volet B2B avec des sessions de pitch pour que les entreprises françaises puissent rencontrer les grands donneurs d'ordre suisses de leur secteur d'activité. Nous, notre métier, c'est véritablement cette passerelle
entre les entreprises françaises et les entreprises suisses. Et nous, de notre côté, notre rôle, c'est de pouvoir qualifier et aller aussi mobiliser des grands donneurs d'ordre suisses qui vont être à même d'avoir effectivement un certain nombre de besoins qui pourront être couverts par ces entreprises françaises dans le cadre de l'événement. Et ces mêmes entreprises françaises pourraient avoir du mal à les approcher en direct, et ce qui justifie l'utilité d'une chambre de commerce dans ces pays cibles pour les entreprises françaises. Exactement, c'est bien là notre rôle de facilitateur, justement, entre ces deux typologies d'acteurs, absolument. Merci beaucoup Claire pour cette présentation de la Chambre de commerce en Suisse et puis votre activité et la façon pragmatique avec laquelle vous menez rondement vos missions, hein. L'objectif, c'est de faire gagner des parts de marché aux entreprises françaises au travers de nos opérations. Et bien évidemment, nous invitons nos clusters, nos pôles de compétitivité à nous y accompagner. Alors justement, pour concrétiser, hein, rendre concret ce qui vient d'être dit par Claire, nous avons aujourd'hui l'ameublement français avec nous. Emmanuel, je vous laisse justement Bien. préciser votre expérience avec Claire et quelles ont été les missions que vous avez organisées ensemble et surtout les résultats qui ont découlé de cette collective, enfin, mission collective. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée en tant que représentante de l'ameublement français en charge de l'export. Pour commencer, je vais vous donner juste le contexte, hein, de très global de ce qu'est l'ameublement français. Donc, c'est le réseau français des acteurs de la fabrication d'ameublement et des aménagements d'espaces de vie. Au total, nous avons 370 entreprises adhérentes et nous les représentons. Nous représentons leurs intérêts et défendons leurs intérêts et les accompagnons, notamment sur les marchés export. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ce qui nous importe beaucoup concernant l'international et aussi en France, c'est de véhiculer cette image d'art de vivre à la française de véhiculer à titre universel cet art de vivre et ce savoir-faire qui est notre ADN à l'ameublement français. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, et aussi de faire la promotion du Made in France. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu toute une campagne Meublez-vous français qui a été lancée en France. Voilà, et bien c'est à l'initiative de l'ameublement français. Donc pour nous, c'est vraiment clé de promouvoir le savoir-faire, l'excellence industrielle française. Voilà, c'était pour vous donner the global picture. Comme il s'agit d'un événement qui rassemble les clusters, voilà, je voulais vous donner une approche régionale de nos métiers en France. Et vous vous apercevez que principalement les activités se concentrent dans les Vosges, c'est historique depuis très longtemps, ainsi que dans le Rhône-Alpes et en Vendée. Il y a 40 000 emplois en France. Donc, sur l'international, nous nous focalisons sur l'appui aux entreprises adhérentes sur les marchés internationaux. On les aide à trouver des opportunités, à favoriser des rencontres d'affaires et également à monter des pavillons sur les salons internationaux. Vous voyez une image, par exemple, de Shanghai, où le pavillon français, sous le nom de My Furniture is French, est bien représenté. Donc, l'international m'amène naturellement à parler de notre partenariat avec la Chambre de commerce franco-suisse. Donc, pour nous, dès le départ, en tout cas, moi, quand je suis arrivée à l'ameublement, ça fait 3 ans, la Suisse a été très naturellement détectée comme un marché prioritaire. Nous n'avions pas de partenariat à cette époque. J'ai cherché des partenaires et naturellement, j'avais entendu parler des rencontres franco-suisses de l'hôtellerie de luxe. Et donc, très, très rapidement, je suis rentrée en contact avec la Chambre de commerce pour participer en tant que sponsor et partenaire à cet événement.
Et donc, derrière, cela a permis à 7 entreprises adhérentes de participer à cet événement. Et fort de cette réussite des rencontres, nous avons voulu à l'ameublement aller plus loin et créer une véritable relation long terme avec la Chambre de commerce franco-suisse. Donc, ce qui nous amène à parler également des rencontres franco-suisses du mobilier urbain. Donc, tout à fait naturellement, nous sommes également portés partenaires pour cet événement. Ça a été également un grand succès. Nous avons accompagné 8 entreprises adhérentes, dont Syria, qui va témoigner après des bénéfices qu'elle a pu en tirer de ces rencontres. Mais tout ça pour dire, du point de vue de l'ameublement, que nous sommes vraiment dans une vision long terme. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous souhaitons construire par le biais d'opérations telles que des rencontres B2B, mais aussi par le lancement d'une veille sectorielle que nous allons donc proposer aux adhérents dès 2021 avec l'apport de l'expertise de la Chambre de commerce franco-suisse. Donc, cela veut dire que ça a généré d'autres actions propres à ce partenariat et qui sont donc prévues pour 2021. Nous espérons également participer de façon très active au forum de la construction aussi. Je sais que la Chambre de commerce, n'est-ce pas Claire, c'est, oui. Ce sera votre 6e édition, donc nous souhaitons également être partenaires. Et bien sûr, la prochaine édition des rencontres d'affaires de l'hôtellerie de luxe quand le contexte du Covid sera derrière nous. Voilà, donc tout ça pour dire que nous sommes très contents de ce partenariat. Nous voulons vraiment construire dans la durée et encore de belles actions à venir ensemble et en commun pour, bien sûr, aider, accompagner et vraiment porter les entreprises sur le marché suisse. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation assez pragmatique de votre collaboration avec la CCI France-Suisse. Tout est parti d'une première approche et là nous sommes aujourd'hui dans une logique de relation pérenne qui se veut long-termiste et non pas ponctuelle. Et c'est vraiment la vision de nos chambres de commerce, de ne pas être sur une action qui soit ponctuelle, mais bien au contraire accompagner toutes nos entreprises et tous nos clusters pôles de compétitivité sur du long terme. Alors justement, la question que nous avons tous maintenant à la bouche, c'est qu'a donné concrètement cette action et ces actions. Et donc, le témoignage de Madame Caroline Saunier nous sera très utile pour nous éclairer. Madame Saunier, nous vous cédons la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie également de cette invitation. Moi, je vous donne mon témoignage depuis le sud de la France. Mon entreprise se situe sur Aix-en-Provence. Nous sommes fabricants et designers de mobilier urbain haut de gamme. Nous sommes également adhérents de l'ameublement français, qui d'ailleurs nous a fait part de l'événement auquel j'ai participé ce 30 septembre, tout récemment. Alors, dans un cadre assez magnifique et chaleureux, le concept de la journée nous a séduit. Il est vrai que la présentation du marché global sur la Suisse par les experts, ça a été quand même un tremplin sur la connaissance qu'on peut avoir d'une zone sur laquelle on souhaite développer la marque, notamment connaître les capacités de rebond de la Suisse, connaître ses spécificités, qu'elles soient économiques, politiques, sociales et aussi culturelles, ça a été important. La structuration, on a appris que d'un canton à un autre, il y avait une réglementation, il y avait des points juridiques, sociaux, fiscaux, territoriaux assez différents et disparates. On a également pu apprécier un rayonnement et qu'on n'aurait peut-être pas pu de l'extérieur sans avoir pu participer à cette journée-là. C'est vrai qu'on a appris que la Suisse avait une volonté particulière de transformer son territoire
Et grâce aux témoignages et présentations, bah, d'une part d'une entreprise de mobilier urbain également qui a monté une filiale, et ensuite la présentation des projets par deux maîtrises d'ouvrage, on parlait à peu près le même langage, le même discours, et on a pu prendre connaissance et apprécier les usages attendus, les vraies valeurs que les maîtrises d'ouvrage ou les futurs potentiels clients pouvaient attendre du mobilier. Les enjeux architecturaux et ensuite l'appropriation des lieux, j'allais dire de façon culturelle et sociale. Sur les bénéfices, bah, ils ont été, on va dire, appréciés à plusieurs niveaux. C'est vrai que, bah, on a eu un accélérateur phénoménal de connaissances sur le pays. C'est vrai que de connaître les offres distinctives attendues des acteurs suisses avec des précisions sur les critères sur les mobiliers. Ah, ça nous a permis de nous rendre à l'évidence des besoins. C'était une journée prospective très opérationnelle. Les rendez-vous en B2B qu'on a eus nous ont permis de rencontrer des acteurs influents qu'on n'aurait peut-être pas d'emblée rencontrés ou pu, avec qui on aurait pu prendre contact. Et en fait, aujourd'hui, la variable la plus importante, c'est le temps. Et au final... Ce gain de temps sur la connaissance et sur la rencontre en une journée a été vraiment très appréciable. Donc pour l'instant, si vous voulez, on a à la suite de cette journée, on a envoyé un mail de retour d'échange à chacun des interlocuteurs que nous avons rencontrés. On a pu remettre nos plaquettes, nos catalogues, on a pu donner en direct et, comment j'allais dire, de façon assez spontanée, la représentation de notre marque. Et bon, pour l'instant, on n'a pas réellement construit de projet. On a eu des retours assez positifs des rendez-vous B2B que l'on a eus. Et nous attendons avec impatience la construction de projets concrets. C'est vrai que le facteur temps, si je peux me permettre, en Suisse est important. Hein. C'est vrai que les relations commerciales prennent du temps et qu'il est véritablement nécessaire d'établir un climat de confiance. Donc, voilà, c'est très important, effectivement, de poursuivre cette relation que vous avez initiée, de la nourrir. Et je suis certaine qu'effectivement, vous trouverez des issues positives Sans doute pas. Merci beaucoup, mesdames, pour ce témoignage. Donc, je note effectivement accélérateur de connaissances, organisation d'un événement très opérationnel, gain de temps sur la connaissance et la connaissance marché et la connaissance contact. Donc, la prochaine étape, madame Saunier, c'est quoi? C'est une bonne question. La prochaine étape, c'est peut-être avoir la possibilité de revenir sur le sol suisse dès que ce sera plus fluide pour aller directement chez les prescripteurs suisses, identiquement pour les personnes qu'on a rencontrées, nos interlocuteurs, pour avoir un rendez-vous un peu plus privé, on va dire. Pour moi, c'était cette journée-là, ça a été une première rencontre et une première étape au développement, comme on ferait sur notre territoire national, sur le sol suisse. D'accord. Tout cela en l'espace d'une journée, avec combien de temps de préparation de cette mission en amont? Je ne sais pas si répondre par rapport à la préparation. En fait, pour moi, c'était vraiment une journée extrêmement opérationnelle parce qu'elle n'a pas forcément suscité un large travail supplémentaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais par contre, on a pu condenser en une journée la connaissance d'un territoire et de pouvoir y rencontrer des acteurs influents. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et je vous souhaite une pleine réussite dans votre prospection sur le marché suisse et qui sait peut-être d'autres. Mais justement, un autre marché qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui, c'est celui du Maroc. Je sais que la Fédération de l'ameublement échange régulièrement avec la Chambre française du Maroc, ce qui est une bonne chose pour
vos métiers et vos entreprises. Nous allons entendre Faïza Achkar, qui est la responsable Team France Export, qui nous présentera dans un premier temps la Chambre française du Maroc, mais aussi toutes les actions sectorielles qu'elle mène, notamment avec les comités sectoriels. Et puis, nous enchaînerons avec Pierre Benham et le Club Santé. Faïza. Merci, merci Charafa, merci. Effectivement, c'était très intéressant de vous entendre au niveau de la Suisse et on espère effectivement actionner de belles choses avec la Fédération de l'ameublement très prochainement. Donc sur la slide suivante, tu pourras, s'il te plaît, Charafa. Effectivement, donc nous, la Chambre française, on est aussi donc une association de droit local, hein, marocain, à but non lucratif. On existe depuis un peu plus de 100 ans, mais pas aussi vieux que la Suisse. Et on est effectivement très centralisé tout d'abord à Casablanca, qui est le poumon économique. Hein, on le voit sur la slide suivante, Charafa. Puisqu'effectivement, on est vraiment centralisé sur Casablanca, qui est le poumon économique, mais avec aussi 9 autres délégations régionales pour avoir un ancrage territorial fort pour nos entreprises membres, mais aussi pour les entreprises françaises qui souhaitent démarcher le marché marocain. Donc, il y a aussi un bureau en France, à Paris, que je représente, pour justement animer un petit peu toute cette communauté franco-marocaine. On est près de 5000 entreprises adhérentes au niveau de la Chambre française du Maroc, ce qui fait de nous effectivement la plus grande chambre française en termes de nombre d'adhérents, membres, hein, donc on parle bien d'entreprises, et puis aussi en termes de nombre de collaborateurs, donc on a un peu plus de 110 collaborateurs, alors avec des métiers très divers au niveau de la Chambre, puisqu'on a aussi un campus de formation initiale continue, initiale avec donc l'École supérieure des affaires, hein, qui est en partenariat et en double diplôme avec la France. Et nous gérons aussi, ça c'est une particularité vraiment, on va dire, unique d'une chambre française à l'étranger, nous gérons 4 parcs industriels avec un système de location longue durée pour permettre à des entreprises étrangères ou locales, mais notamment étrangères, de s'implanter à moindre coût et de plutôt de focaliser son investissement sur son cœur de métier. Donc, les missions principales de la Chambre française, je ne vais pas revenir trop dessus, mais effectivement, c'est vraiment développer les relations économiques entre la France et le Maroc, accompagner les sociétés françaises et donc les réseaux en France dans leur démarche sur le marché marocain, tous secteurs confondus. Puis ensuite, effectivement, on a un vivier d'entreprises membres, hein, qui sont pour 3/4 des entreprises locales marocaines. Bien entendu, effectivement, une entreprise française adhère assez facilement quand elle s'implante au Maroc. On a aussi des entreprises membres depuis la France qui adhèrent, mais donc du coup voilà, on essaye effectivement d'accompagner aussi tous nos membres dans leur développement économique. Et là je vais justement rentrer un petit peu plus dans le cœur du métier, puisqu'effectivement on a créé depuis un certain nombre d'années donc des commissions. Alors d'abord des commissions, on va dire, thématiques, transversales, où effectivement les secteurs se mélangent. Donc, il y a une commission régionalisation, puisque effectivement on a plusieurs délégations régionales avec des besoins, des spécificités régionales particulières. Donc, ils se réunissent. Ça permet effectivement, comme le disait Charafa en introduction, d'avoir cet outil de veille, de réflexion, de connexion entre les différents membres. Et ça leur permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe dans les différentes régions marocaines. Alors, on a aussi la commission la plus importante, c'est vraiment celle dédiée aux services, aux entreprises, hein, qui intéresse particulièrement nos partenaires en France et nos sociétés françaises, où là, on a effectivement développé, et ça nous permet vraiment d'avoir des remontées terrain très, très, très réelles, de ce qui se passe réellement dans les entreprises au Maroc. Et ça nous appuie, nous, au niveau de la Chambre, dans nos missions de matching, de prospection, quand on appuie une entreprise française qui souhaite prospecter sur le marché marocain, puisqu'on a effectivement donc des remontées de terrain de la part de nos membres dans cette commission service aux entreprises. Ensuite, on a des commissions tout aussi importantes sur la partie capital humain qui reste très important au Maroc, toute la partie emploi, formation, éducation. C'est un pays jeune avec plus de 50% de sa population qui a moins de 34 ans, il faut le souligner. Donc avec du coup aussi une industrialisation très montante au Maroc qui du coup confère un certain nombre de problématiques, de turnover, de culture d'entreprise. Donc là, les membres sont là pour échanger, pour effectivement favoriser
ces commissions. Nous sommes, l'a souligné effectivement Charafa en introduction, aussi concessionnaires de services publics. Hein. On représente la Team France Export au Maroc depuis janvier 2019. Nous étions déjà délégataires de services publics. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, le bureau Business France est représenté par la Chambre. Et donc nous accompagnons, nous sommes le seul opérateur, on va dire, public, entre guillemets, à accompagner les entreprises françaises sur le marché marocain. Alors, avec une organisation par filière sectorielle, pour suivre effectivement les grandes filières françaises, donc une filière agri-agro qui est très importante pour nous et qui, d'ailleurs, pendant cette crise, a été très performante, très dynamique. Une filière qui concerne l'infrastructure et l'industrie, puisqu'au Maroc, ça fait partie, avec la clean tech, de 60% de nos demandes entrantes. Donc, très important pour nous d'avoir splitté les deux filières, parce que ce sont vraiment les filières les plus importantes en termes de demandes entrantes de la part des entreprises françaises. Une filière qu'on appelle art de vivre santé, avec dedans effectivement le tourisme, la santé, le sport et la partie BTP. Comme l'a souligné, vous le verrez tout à l'heure, effectivement, la santé est primordiale au Maroc. Hein, c'est un secteur porteur, prioritaire et encore plus avec cette crise que nous venons, que nous traversons. Mais je laisserai Pierre Vénam tout à l'heure en parler un petit peu plus sur la création de ce club, justement, et pourquoi ce club. Et une dernière filière, effectivement, sur la partie technologie, hein, technologie et tech et services, où effectivement, là encore, toute la partie digitalisation des entreprises, services, e-gouvernement, le e-professionnel, e-enseignement, enfin voilà, toutes ces thématiques qui sont encore plus importantes dans nos pays d'Afrique du Nord. Du coup, je pense que j'ai quasiment fini. Alors voilà, je voulais quand même présenter quelques exemples parce que de par ma position en France, c'est vrai qu'effectivement, j'ai travaillé, j'ai longtemps œuvré pour le rapprochement de notre chambre avec des clusters, des pôles de compétitivité en France. Donc, on ne pouvait pas effectivement inviter tout le monde, mais je voulais quand même vous en parler. Nous, on trouve que c'est effectivement, vous êtes des opérateurs privilégiés sur le territoire français, tout d'abord au niveau régional, mais aussi au niveau sectoriel. Et effectivement, on a développé avec un certain nombre de clusters et de pôles en France des actions, des partenariats. Pour exemple, le cluster Mipirail, hein, qui est un cluster dédié au secteur ferroviaire qui était anciennement donc Midi-Pyrénées et maintenant Occitanie, on a collaboré pour mettre en place un vrai plan d'action de développement international de leurs membres sur le territoire marocain avec donc une des phases, donc avec une première phase en 2018 qui était plutôt une mission découverte pour leurs membres sur le marché marocain, qui leur a permis effectivement à leurs membres de toucher, de tâter un petit peu comment ça se passe au Maroc et quels étaient les besoins au Maroc. En 2019, on a été un petit peu plus loin avec une rencontre avec tous les grands donneurs d'ordre et la possibilité pour ces membres-là de pitcher devant ces donneurs d'ordre, donc un vrai privilège pour eux d'être rassemblés et de pouvoir effectivement montrer leur valeur ajoutée, leur ingénierie et leurs possibilités sur le territoire marocain. Et en 2020, avec une visite beaucoup plus technique, là, on était vraiment sur que du terrain avec de la visite d'ateliers de maintenance parmi les grands donneurs d'ordre, hein, l'équivalent de la SNCF, par exemple, l'ONCF, Alstom et les grands noms du secteur ferroviaire. Et là, effectivement, ça a permis à ces entreprises-là de pouvoir très concrètement rencontrer les différents interlocuteurs dans ces entreprises-là de manière beaucoup plus technique et de se rendre compte, mieux compte en tout cas, de comment c'était organisé. Et donc, on a encore prévu donc une mission pour 2021 qui nous permettra de mixer donc du coup de revoir les principaux donneurs d'ordre et puis de retourner sur le terrain finaliser un peu tous les autres ateliers qu'on n'avait pas eu le temps de visiter. Le cluster CD2E aussi, hein, qui est un cluster important pour nous. Je vous parlais tout à l'heure de la filière clean tech qu'on avait décidé de splitter avec l'industrie, parce que c'est effectivement d'énormes besoins au Maroc, et puis avec beaucoup de possibilités pour les entreprises françaises. Et donc là, un rapprochement avec ce cluster-là qui a été très efficace, puisque l'année dernière, 8 entreprises sont venues en mission collective en marge d'un salon solaire expo. C'était en février 2020, juste avant la crise. Et donc, on souhaite
renouveler cette opération-là aussi avec eux en février 2021, en espérant qu'effectivement tout aille pour le mieux ces prochaines. Mais donc, je n'ai pas pu citer tout le monde. On travaille aussi avec le pôle Axelera, Cap Énergie, le cluster éco-bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, on est vraiment dans ce rapprochement-là de cluster sectoriel et de pôle de compétitivité, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée de venir effectivement en force, en collectif sur le marché marocain. Alors, je remercie voilà, Pierre Bénal qui va du coup nous expliquer un petit peu effectivement la création de ce club santé qui a été aussi une très belle initiative et un vrai besoin au Maroc, hein, puisque là il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je le laisse nous dire tout ça. Merci. Merci Faïza. Nous allons effectivement céder la parole à Pierre Benham pour la présentation du club santé et la genèse de ce projet et ses ambitions. Pierre. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfaitement. Ok, ben bonjour à tous. Je vais essayer de présenter donc le club santé, mais je pense que parmi les participants, tout le monde ne travaille pas dans la santé. Donc l'idée était de dire en fait de l'intérêt, tout l'intérêt en fin de compte de la mise en réseau. Et voir les différents réseaux que l'on souhaite activer au travers de cet exemple du club santé. Donc, en deux mots, le club santé, en fait, c'est un club qui réunit toutes les entreprises dans le domaine de la santé, à savoir que c'est un domaine extrêmement large, hein, c'est pas que l'industrie pharmaceutique. Je travaille moi-même pour la société Pierre Fabre, qui est dans le médicament et la dermo-cosmétique. Mais dans ce secteur de la santé, en fait, on a beaucoup d'activités différentes. D'ailleurs, on va peut-être passer sur le slide suivant. On reviendra sur ce slide-là, si tu le veux bien. Puisque si on regarde le Club Santé, donc, qui a été fondé en 2018, on a un panel d'entreprises, vous voyez, dans des secteurs absolument diversifiés, qui peuvent être en effet ceux du dispositif médical, de l'industrie pharmaceutique que je représente, mais avec d'autres sociétés françaises hein, que vous connaissez, Sanofi, Servier, par exemple. Le domaine de la e-santé, hein, qui est un domaine qui grandit de plus en plus, de la construction de l'architecture, de l'ingénierie, des services, hein, dedans on peut mettre différentes choses. Vous voyez des gens qui ne sont pas forcément des structures de santé, mais qui travaillent dans le domaine de la santé, y compris les banques, hein, qui financent des projets de santé, les assurances bien entendu, et les transports. On va en entendre bientôt parler hein, avec le transport des vaccins et notamment des compagnies aériennes. Hein. Air France est particulièrement bien implantée et dans ce domaine-là. La gestion des hôpitaux, le tourisme médical, etc., etc. Et les clusters de compétitivité. Donc, il y a globalement à peu près 150 membres donc, à la fois au Maroc et en France, et de sociétés implantées au Maroc, donc une soixantaine de sociétés. On peut revenir peut-être sur le slide précédent qui illustre ici en fin de compte, déjà, tous ces secteurs, hein, quand ils viennent vers le club santé, en fin de compte, cette mise en réseau, à quoi elle va nous servir. Alors, en tout premier lieu, on est hébergé, l'initiative a été montée avec la Chambre de commerce, hein, qui est une institution extrêmement forte dans le pays, qui va être déjà une porte d'entrée extrêmement forte pour vos sociétés en général, en termes de services, pour une exploration du marché, pour une implantation sur le marché, ou même exploitation sur le marché. Je crois que c'est vraiment dans ces réseaux ce que l'on va chercher. Ce sont à la fois des contacts, des conseils, des services, d'accord, sur ces trois étapes de préparation pour rentrer sur le marché, hein, qu'on soit en France et qu'on veuille exporter ou qu'on souhaite s'implanter, par exemple, au Maroc, d'installation, donc là, une fois qu'on est sur place, des aspects extrêmement pratiques hein, de localisation, de conseil juridique, de conseil financier, et enfin durant l'exploitation aussi, avec ses plus et ses moins. Hein, par exemple, je pense notamment aux éléments de gestion de conflits juridiques sur lesquels les institutions et les réseaux vont pouvoir servir. Alors, comme vous le voyez ici, c'est un peu un listing qui correspond réellement en fait aux réseaux sur lesquels on fait appel. Et donc, qui me semble être important de mentionner. On a à la fois des réseaux qui sont des réseaux d'administration. Alors, ce que j'appelle d'administration peut être un peu à
tort, mais en fin de compte, c'est ce monde qui vit aux côtés de celui de l'entreprise qui fait avancer le système et sur lequel on doit s'appuyer parce qu'en effet, un certain nombre, et beaucoup même, j'ai envie de dire, de nos opérations vont reposer sur notamment des autorisations hein, des différentes institutions ou sur des contacts ou des contrats avec les institutions. Et vous voyez ici, le Club Santé, par exemple, travaille de façon régulière avec les ministères de la Santé, à la fois français et marocain, ministère du Commerce et de l'Industrie, français et marocain, Chambre de Commerce et d'Industrie, hein, donc la CFCIM. On a été mis en contact avec d'autres CCI également qui peuvent demander des conseils. Les ambassades, les consulats, le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Hein, et c'est vrai que c'est important hein, dans les échanges et notamment sur les implantations, sur les visas ou des choses comme ça. Les services économiques, hein, les différents, l'Agence française du développement ou encore une institution comme Business France. Mais également, donc, c'est une mise en réseau avec ce monde un peu parallèle dans lequel souvent on ne connaît pas, on n'est pas, j'allais dire, appelé à travailler régulièrement avec ces institutions. Et puis le deuxième niveau de réseau que l'on a, c'est un réseau d'associations professionnelles. Je vous en ai mentionné quelques-uns ici. Hein, le LEM, qui est comme en France, le LEM, c'est un peu les mêmes noms, pas les mêmes orthographes, mais qui représente le médicament, donc ce sont les industries pharmaceutiques donc, qui sont réunies, le COSMEM pour la cosmétique, l'AMIP pour les fabricants, mais également la CGEM, qui est l'équivalent un petit peu du MEDEF, mais également des structures, comme en France, le French Healthcare Club, qui est en fait un label hein, développé par toutes les sociétés qui travaillent dans le système de la santé, ou encore un label que vous connaissez peut-être déjà, qui est celui de la French Tech, et sur lequel vous allez voir qu'on a pu faire des opérations. Peut-être les slides suivantes encore. On a vu celle-ci. Alors bon, là, ce sont simplement des illustrations qui illustrent un petit peu le développement hein, de ce club qui s'est fait en fin de compte depuis 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Bon, qui est marqué un peu par des événements certes, mais qui est marqué surtout par des réunions absolument régulières, hein, une fois par trimestre, j'ai envie de dire, et puis des contacts réguliers par mail. Pour, par exemple, faire passer les appels d'offres dans le domaine de la santé, hein, les appels d'offres faits par les différents ministères dans le domaine de la santé à l'ensemble des membres du club. C'est un exemple concret, d'accord, d'un partage d'informations. Donc, parmi les choses que l'on est appelé à partager, hein, pour moi, cette mise en réseau, c'est avant tout un accélérateur hein, de l'implantation, ou de la préparation de son implantation. Ça aide également à reconstituer les marchés. Hein. C'est vrai que dans nos cas, on veut savoir où on met les pieds ou vers qui on va aller. Et c'est vrai que ces réseaux, en général, aident à avoir une reconstitution des marchés et surtout, d'accord, de croiser l'information pour pouvoir vérifier les informations. Les sources sont importantes et de pouvoir croiser l'information est particulièrement importante. Le fait de pouvoir s'appuyer sur d'autres structures, d'autres sociétés, mais également peut-être des sociétés qui ne sont pas forcément celles de notre propre activité, mais qui ont déjà vécu les mêmes choses lors d'une installation, par exemple, sont importantes. Évidemment, une complémentarité des métiers, avec des métiers qui peuvent se compléter. Je pense notamment, par exemple, lors de projet de CHU hein, qui pourrait se monter sur le territoire. On va faire appel à différents métiers, l'infrastructure, l'équipement de l'hôpital, les services qui vont autour de l'hôpital. C'est en fait toute une industrie qui travaille autour de ces projets-là. Hein, l'infrastructure, on peut faire appel à des structures. Hein, je prends un exemple comme Bouygues. Tout ce qui est équipement, ce seront les équipements médicaux. Tout ce qui est services, ça va la sous-traitance éventuellement des soins administratifs, des parties administratives, ça peut être sur le traitement des déchets, enfin voilà, hein, c'est juste pour illustrer qu'il y a vraiment une complémentarité des métiers lorsqu'on active ces réseaux-là. Également peut-être de pouvoir permettre
hein, des rencontres qui sont parfois difficiles, hein, notamment lorsque l'on vient ponctuellement ou même quand on est implanté sur place, hein, rencontres difficiles avec certains ministères ou certaines administrations, et puis des partages d'informations qui peuvent être de l'ordre de la finance, de l'administration, des ressources humaines, de la fiscalité, du juridique, bref, des conseils en fin de compte pratico-pratiques qui sont notre quotidien en tant qu'entreprise. Et enfin, je finirai peut-être, alors c'est peut-être spécifique hein, sur la région que je suis, hein, mais il est certain que la mise en réseau permet également de passer sous forme de relations et de contacts indirects ou directs, d'accord, de rencontrer les personnes. Et vous savez que dans certaines régions du monde, hein, cette relation personnelle prévaut parfois même plus hein, que tout l'aspect contractuel que l'on peut mettre ensuite. Hein, donc, d'où l'intérêt d'être présenté ou de passer par des personnes qui connaissent hein, déjà vos interlocuteurs. Bref, je vois au travers de ces mises en réseau hein, extrêmement beaucoup d'avantages pour l'implantation de nos sociétés, hein, depuis l'étape de préparation, d'installation encore une fois, et d'exploitation. Là encore, un petit exemple. Hein, vous voyez, avec ce partenariat qui a été fait au travers de la French Tech, hein, donc là, on touche au domaine du digital, et donc c'est un réseau, alors on a un réseau médical, hein, je vous ai parlé de 160 sociétés membres du club, le réseau French Tech implanté au Maroc, c'est plusieurs centaines de sociétés dans le domaine du digital, hein, et là, pareil, avec différents métiers. Et donc, on a fait en effet cette rencontre des deux réseaux qui, au final, je l'espère en tout cas, aura permis à des sociétés qui peut-être ne se connaissaient pas ou peut-être avaient des métiers complémentaires ou peut-être donc, offraient des services qui étaient attendus par les uns ou par les autres, de se croiser à un moment donné. Donc, voilà une autre illustration, en fin de compte, de l'intérêt d'être au travers de ces réseaux. Voilà, je crois que c'était tout pour ma présentation. En tout cas, si vous avez des questions spécifiques sur le domaine hein, de la santé, bien entendu, je serai ravi d'y répondre hein, dans un souci de faire jouer le réseau. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation relativement complète du réseau du Club Santé. Alors là, on a vraiment démontré la capacité de nos chambres et des fédérations à s'interconnecter les unes les autres. Donc, depuis la France, les fédérations, associations, clusters, pôles de compétitivité qui identifient les marchés potentiels et qui accompagnent et identifient les entreprises françaises pour aller à l'international. Et vous, dans vos pays, qui identifiez les besoins, les marchés, les appels d'offres pour justement servir de réceptacle d'informations et accueillir les entreprises françaises dans leur développement, dans les marchés que vous couvrez. Donc, nous arrivons vraiment au terme de cette intervention qui doit se terminer dans quelques secondes. Merci beaucoup à chacun d'entre vous qui avez participé à cet événement. Je ne vois pas de questions particulières dans le chat. S'il y en a, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous allons vous faire également passer une enquête pour connaître vos besoins de développement à l'international. Surtout, n'hésitez pas à la renseigner.